Alors attends, j'appelle. Hein. Vous appelez qui? Allô, bonsoir, on est à l'hôpital. Ouais, on est à l'hôpital, on a besoin d'un médecin. J'ai déjà fait les premiers soins, j'ai mis un bandage, j'ai désinfecté, mais un peu plus. Ça marche. Non, le Bahamas, les gars! Ouais, j'y vais. Allez, ça marche, merci. Les gars, ça va, 19 minutes, je lui demande de me déposer. Toi, tu me mets dans des emmerdes là. Bah, c'est toi qui m'as dit de sauter d'un immeuble. Fallait prendre plus de doses. Bah, fallait me donner plus de doses. Ouais, mais fallait me le payer. Ok, je te propose, tu me donnes quelques doses, je les vends et après je te redonne l'argent. Ah si, on peut faire ça, mais faut que j'aille avant chercher mes doses, tu vois. D'accord. Et tu pourras me déposer au Bahamas, Mamas. Vas-y, je te déposerai au Bahamas. Merci. Il a dit quoi le médecin là? Il arrive, il est là. Viens, il est là, il est ici. Le dress code, je me mets à poil, j'aime bien la foutre. Personne dans cet hôpital. Maintenant ils sont au Bahamas machin. Tu sais pour finir Kraken. Oh là, c'est long hein. Attends, je vais voir. Les gars, j'ai un kilo de cannabis mais en fait c'est fake non? Voilà. Un médecin! Ce monsieur m'a dit de sauter d'un immeuble. Bonjour monsieur. Vous avez mal quelque part du coup? Oui, j'ai mangé à la jambe. Ce monsieur m'a dit de sauter d'un immeuble, alors je l'ai fait parce qu'il m'a dit que j'allais être invincible. Oula. On n'est pas obligé de. D'accord. Ce monsieur. Sur lui de sauter d'un pot, il va sauter d'un pot. D'accord, vous êtes sauté de combien de mètres à peu près? 3 mètres. C'est comme les chats, vous retournez sur vos pas. C'est ça, mon guide. J'ai quand même sauté d'un immeuble. Choisissez un lit. Hein. Je vais prendre celui-là. Ah non. Je vais prendre celui-là. Bon, j'ai fait le premier soin, j'ai mis bandage désinfectant. Parfait. D'accord, bah c'est une bonne chose, monsieur. Donc normalement, la plaie, en tout cas, ça a l'air d'aller, mais. Il va où? Non, le grec. Actuellement, une douleur sur 10. 10. Oui, d'accord, oui, effectivement. Du coup, on va déjà examiner un peu tout ça, on va dire. Ah oui, effectivement, je vois saignement. Du coup, bouge. Ah bah, ça, je crois qu'il y a un. Aidez-moi, je vais mourir. Bougez pas, vous. Aidez-moi, je vais mourir, monsieur. Oui, je suis de retour. On va enlever le pansement que monsieur a mis. Non. Appelez ma maman Delphine. Appelez Delphine. Delphine. Non. Touchez pas là. Je vais mourir, je perds trop de sang. T'inquiète, t'as fait un truc de survivor comme tu m'as dit, t'inquiète, ça va le faire. Ouais, mais personne m'a dit de sauter d'un immeuble. Ah, t'as fait quoi? Hein? T'as combattu des monstres, parce que pas, tu m'as dit. J'ai pas tué les monstres. Ah, tu les as pas tués? Ils sont intuables. Mais t'inquiète, avec moi, tu vas prendre les tuer, t'inquiète. Non. Venez voir. Je vais continuer, monsieur, d'abord, d'accord? Oui, allez-y. Merci. Après, comment ça, il est pas très stable, monsieur. Au secours. Oui, c'est monsieur. S'il vous plaît. N'inquiétez pas, monsieur. Parlez-en à mon collègue. J'entends pas votre collègue. Il est à côté.
T'es là, collègue, ou pas? Je suis là, oui, oui. Je suis là, collègue, monsieur. S'il vous plaît. On va désinfecter la plaie, déjà, bougez pas. Je suis pas assistant social. Non, 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 ça pique un peu vite. Merci, je me sens mieux, je me sens beaucoup mieux là. Non, bougez pas. Non. Non, pas encore un autre, Ouais, inquiétez pas. Delphine. Delphine, non. Oui. Non. C'est Delphine. Oui, dis-moi. Delphine, maman. Oui. J'ai mal. Dis-moi, c'est mal où? J'ai mal au tibia. Oh là là. Mon enfant, attendez, j'arrive, je vais te voir. J'appelle le médecin. Merci, merci maman. Il n'y a pas de soucis. Je suis là. Ah, ça va beaucoup mieux, je crois que j'ai parlé à ma maman. Oui, écoutez, oui. Voilà pour... J'ai de vous lever délicatement. Allez-y. Allez-y, doucement, avec votre blessure à la jambe. Allez, hop, j'ai de vous lever. Tac. Ça va beaucoup mieux, merci, merci, vous m'avez sauvé la vie. Vous avez déshabillé éventuellement? Ouais, c'est monsieur qui m'a déshabillé là-bas. Donnez-lui ses habits. Ouais, voilà. Vous y allez sur la... Merci, merci. Ça va mieux? Oui, ça va mieux, merci. Parfait, putain, bougez pas. Je vais venir près de moi, monsieur. Merci. Je vais près du petit bureau, là. Je vais essayer de prendre, si vous le souhaitez, prendre un petit bonbon. Avec grand plaisir, là, sur le petit. Ah oui, j'adore les bonbons. Allez-y, prenez-en. Il faudrait votre nom, prénom et votre carte d'identité, s'il vous plaît, éventuellement. Votre permis. J'ai aucun de tout ça. D'accord. Et je vois pas de bonbons. Écoutez, je vous laisse éventuellement me dire votre nom, prénom à l'oral. C'est Narine Mucus. Narine. Parfait. Monsieur Narine Mucus, d'accord. C'est parfait, monsieur Narine. Et je vous fais tout de même la facturation, monsieur Narine, d'accord, c'est pour les soins. Oui. D'accord. Bougez. Combien facturer? Combien va me baiser? Ah, c'est combien, s'il vous plaît? C'est 250 dollars. Monsieur. Ah, ça fait encore plus mal que la blessure. Ah, une deuxième dose, hein. Écoutez, monsieur, c'est totalement obligatoire. Et vous pouvez pas me faire une réduction, s'il vous plaît? Ah, c'est compliqué, monsieur, ça va. S'il vous plaît. Oh, bah, allez. Alors, regarde, oui, 150. Merci, 150. Oh, oui, 150, c'est bien. Ah. Qu'est-ce que je... Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci, monsieur, vous m'avez sauvé la vie. Bah, écoutez, monsieur, faites attention, d'accord, et... Comment dit-on? Évitez d'aller de nouveau sur un toit. Oui, je vais éviter de sauter d'un immeuble. Oui, ben, combat les monstres à la place. Merci, merci. Merci, monsieur. J'évite de vous faire perdre plus de temps. Merci beaucoup. Merci, monsieur le médecin. C'est bien, bonsoir à vous. Merci, monsieur le médecin. Merci. Bonsoir. Au revoir. On aurait dit que t'allais crever. Bah, j'aime pas avoir des petits bobos. Il faut qu'on aille au Bahamas, Mamas. Ouais, Bahamas. Il y aura sûrement plein de nouveaux clients qui voudront rejoindre les Power Rangers. Ouais, bah pas trop de Power Rangers, hein. Pourquoi? T'en prends deux, Max.
Mais non, il faut sauver la planète. Ah, mais... Les autres, c'est pas des Power Rangers, les autres. Moi, je suis un Power Rangers? Ouais, toi, oui. Youhou! Wouhou! Wouhou! Je suis un Power Rangers! Tiens! Nya! 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 Tyrannosaure, Triceratops. Un peu dérangé mentalement, hein. J'ai toujours rêvé d'être un Power Rangers. T'as pas un peu fait mal, t'as ton truc Survivor là? Hein? Ah mais je suis... J'ai vu une centaine de personnes crever devant moi. Ah oui, ok. Se faire écrabouiller par le Rajang. Par le quoi? Le Rajang, le dieu de la foudre. Mais tu connais pas le Rajang? Ah non. Un babouin gigantesque avec des cornes démoniaques. Ah bah, voilà, mon gars. Tout droit sorti des enfers. Un rat géant, suceur de sang. Imagine sur mon crâne, c'est son œil. C'est son œil? Ça se trouve, hein. Et tu es un rejeton des enfers? Ça se trouve, il t'observe encore, hein. Tu es un Wetorek? Non, bah non. Un Mokelembe? Tu me racontes, je sais pas, un Svador, un Chipwekwe, un Wendigo, un Wendigo, voilà ce que t'es. Bah non, je rentre tout ça moi. Je suis un Galamda. Un Power Rangers comme tu dis. Un monstre démoniaque. Bah non, je combats les monstres. T'as déjà combattu des monstres? Bah ouais. Quel genre de monstre? Alors l'Ender Dragon. Parce que je connais pas. Le Weezer? Ouais, le Weezer. C'est quoi le Weezer? Il a trois têtes. Il envoie des bombes. Ok, quoi d'autre? Ça fait pas mal de monstres là. L'Ender Dragon, c'est comme c'est un gros dragon noir là, yeux genre violet. Et c'est quelle classification de monstre? Très dangereux. Ah, c'est des Apex Predators? Ouais, c'est le plus dangereux. C'est vraiment le plus dangereux des monstres. C'est le monstre des monstres. Oh merde, il est parti. Il est parti, les gars. Non, je suis sous la bombe, je crois. Il a pas vu que j'étais parti. Il a pas vu. T'es où? Je suis sorti de la voiture là, il faut revenir. Ah putain, j'arrive. T'es où à peu près? Je suis là où tu m'as déposé. Ah attends, à l'hôpital? Non, juste fais demi-tour. J'arrive. Attends, je vais peut-être te croiser au bout d'un moment. Je suis au milieu de la route. Ah, je te vois, vas-y, viens. J'arrive, attends une seconde. Ok, allons-y. C'est bon. Ouais, pardon, j'avais un problème visuel. T'inquiète, t'as pas de problème. Ouais, augmente extended texture budget dans les graphismes pour éviter les textures qui bug. Ah ouais. Voilà, toc. Formidable, merci.
la vision là. Ouais, même moi. Même moi. Contre. Ça veut dire que c'est ton collègue alors. Il est où ton collègue là? J'en sais rien. C'est pas mon collègue. Bah, non. Bon, tu peux. Je viens à peine de le rencontrer. Mais attends, parce que là, j'ai du mal à communiquer parce que j'entends des TikTokers dans mes oreilles. Toi aussi? Non. C'est quoi ça? Des TikTokers. Non, c'est quoi? T'entends de la musique? Ouais. Ah. Ah, mais je sais qu'on fait si tu veux baisser la musique. Ah, dis-moi. Bah, viens, on s'éloigne un peu. Bah, tu sais, sur les téléphones, il y a des radiofréquences, c'est la numéro 5, la radiofréquence 5, F5. Hein? Ah oui! Ouais. Ensuite, bah, sur ces radios-là, tu mets les options. Et puis, après, t'as le volume média, ça s'appelle. Normalement, de base, il est à 100, tu baisses un peu, moi j'ai mis 8. T'as mis 8? Moi j'ai mis 8, ouais, comme ça j'entends presque pas. Ah, c'est pas mal, merci, je vais faire ça, merci beaucoup. La musique, j'aime pas trop. Et du coup, t'as le numéro de ton pote là, qui avait mes pieds sur les réseaux sociaux? Non, j'ai pas. Mes pieds sont sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais bien avoir un petit billet, tu vois. Mais pourquoi, il a fait de l'argent sur ton dos? Bah non, mais il a mis mes pieds sur les réseaux, il a pas payé. Enfin, faut payer combien? Sur les réseaux, mais faut payer quoi. Enfin, payer combien? Un petit $100. C'est cher. Bah c'est mes pieds quoi. Attends, je suis blond aux yeux bleus quand même. Hein? T'es en train de me faire un virement? Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que t'as besoin d'argent. Ouais, nickel, mais $100 si tu peux me les envoyer, c'est bien. Bah ouais, mais j'ai pas vraiment de raison. Oula! T'as pas de raison. Bah vas-y, c'est pas grave, au pire, on se retrouve. Mais je te tiens en jus. Ouais, hésite pas. T'inquiète pas. C'est quoi ton prénom, toi? Moi, c'est Narine, comme Nick Temer. Hein? C'est Narine. Narine comme Nick Temer. Mais pourquoi tu parles de ma mère? Je parle pas de ta mère, je parle du cycle Nick Teméral. Qui est caractérisé par une variation qui se produit dans une période de 24 heures, correspondant notamment à un contraste entre le jour et la nuit. Oh, ça a l'air compliqué quand même cette histoire. Bah, c'est un terme comme un autre pour dire que c'est Narine. Avec un N. Ok, Narine avec un N, ok. Merci beaucoup. Tu veux pas envie de mon Narine? Bah rien du tout, là je vadrouille, on me donne pas mal de cannabis là, et on me dit que c'est bien pour... Attends, t'as du cannabis? Non mais on m'en donne à chaque fois parce qu'il faut que je combatte les monstres cryptiques. Ah, je sais pas ce que tu fumes mais j'en veux mon gars. Bah écoute, si j'en trouve, je te dirai. Ouais, faut absolument que tu me dises parce que moi je suis en manque de weed aussi. Ah bon? Mais c'est quoi de la weed? Bah t'sais, c'est de la drogue, c'est du cannabis. Attends, du cannabis, c'est de la drogue? Ouais, enfin, c'est pas... Ouais, c'est pas... C'est légal, mais c'est pas... Moi, je cherche un truc un peu plus fort. 5, 5, 5, 6, 61, 4. C'est bizarre, tu vois. Enfin, tu tapes un peu de crâne. Attends. C'est quoi déjà? 61, 400? Attends. Là. Voilà, si jamais tu cherches de la weed, tu envoies kryptonite. Tu m'envoies kryptonite. Si moi je cherche de la weed. Ouais. Bah je te l'envoie de suite alors. Ok, vas-y, envoie. Vas-y, attends. T'as $300? Et envoie-moi $300 aussi. Ah non, j'arrive pas à $300 là maintenant tout de suite, mais bah dès que t'as, tu m'appelles. Je pense que j'aurai d'ici là. Ah, tu vois les bugs. Ok, bah on t'enverra kryptonite, ok? Je te tiens au jus, mais en fait, ça sert à combattre les monstres cryptides. Là, les portes des enfers, elles sont ouvertes et il faut défendre. De quoi tu me baragouines? Allez,
Hey, Narine, je t'aime bien, mais je t'avoue, je comprends pas tout ce que tu me dis, hein. Ben, c'est très simple. Les portes des enfers sont ouvertes, le Rajang est libéré. Il faut maintenant défendre l'univers. Attends, quoi. Et moi, là, j'ai rencontré les Power Rangers. Et les Power Rangers et moi-même sont alliés maintenant pour combattre le Rajang. Bah, on peut réussir, mais si on se fait des alliés, il nous faut plus de personnes qui consomment du cannabis pour pouvoir les combattre. Ouais, écoute, moi, je suis un gros consommateur, donc n'hésite pas si tu veux faire la bagarre contre tes Power Rangers, là. Non, c'est pas contre les Power Rangers, ça, c'est contre les monstres cryptides. Ouais, les cryptides. Voilà. Et c'est qui les cryptides? C'est les reptiliens, tout ça, ou pas? C'est les monstres cryptides. Mais ça veut dire quoi, cryptides? C'est les mecs qui font dans la blockchain? Je comprends pas. Oh, tu viens... Bon. Hey, renseigne-toi un petit peu là, hein. Ouais, je pense que je vais aller voir sur Google. Ouais, voilà, hein, les monstres là, et la cryptologie, zoologie là, quand même, tout le monde connaît. Tout le monde connaît le monstre du Rajang. Vas-y, ok. Le monstre du quoi? Du Rajang? Le Rajang, ouais. Ok, ben je vais essayer de chercher ça sur internet. Tu comprends rien, c'est pas possible. Bah si, t'inquiète pas, je vais chercher, je vais me renseigner. Bah tu me diras. Ouais, je te dis. Allez, bonne chance et bonne chance avec tes échardes. Ouais, non, ça va. À très bientôt. Vas-y. Wouhou! Je viens voir le patron. Non, le patron a dit qu'il voulait me parler. De quoi? Oui, bah vous l'attendez ici. Le patron, il va venir, s'appelle pas Igor. Non, je m'appelle Igor. Et du coup, excusez-moi. Je vais l'appeler. Bah, allez, merci bien, monsieur. Le patron, c'était le monsieur qui était ici tout à l'heure, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Très bien. Vous a parlé. Il voulait me parler, oui. Non, c'est lui qui s'est parlé. Il a déjà parlé. Oui, non, mais il voulait me parler. Il m'a dit, reviens quand tu auras réglé tes problèmes de oreilles. On n'ose pas trop en parler. Dites-moi. Il faudrait qu'on soit tous les deux. Eh bien, il va arriver. Malheureusement, non. S'il vous plaît. Oui. Bien, Mucus, viens voir votre fait. Mais monsieur, si vous voulez rentrer, c'est simple. Habillez-vous en blanc, hein. C'est plus simple. Mais j'ai pas. Aïe! Agression! Au secours! Au secours, monsieur! Au secours, monsieur! Monsieur, au secours, il m'a tapé! Au secours! Non, monsieur, reculez, de mon collègue. Mais il m'a tapé! J'en ai rien à cirer. Pas de bagarre. Pourquoi tu m'as tapé? Non, mais en fait, si t'avais une tâche, je me suis dit que si je te l'enlevais, ils allaient t'accepter. Ah! Vas-y, viens. Merci. Merci alors si tu m'as retiré la tâche, merci. Hey, dis-moi, est-ce que ça t'intéresserait? T'as besoin d'argent ou pas? Bien d'argent? Mais tout le monde a besoin d'argent. Mais bien d'accord. Bien. Nous, on organise des combats un peu. Des combats? Est-ce que je vous... Ouais, exactement. Et ça tombe bien, j'ai une médaille. Ça tombe bien, je suis médaillé or en boxe anglaise. Ok. Malheureusement. Contre Alfred, mon voisin. Des paris. Hein? Et toi, là, de ce que j'ai entendu, t'as pas de vêtements blancs. Et ils veulent pas te laisser rentrer. C'est bien ce que j'ai compris. C'est ça. C'est ça. Okay. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que si tu gagnes, je te paye tes vêtements blancs. Et si moi, je gagne, tu me files 100 dollars. En combat à main nue contre toi, là? Moi. Non mais je suis contre la violence. Pourquoi? C'est comme t'as dit veux. Que tu faisais de la boxe anglaise. Ben oui mais contre... Je suis médaillé or même. Ben voilà. Ah mais c'est vrai que là c'est dans la rue, c'est pas avec des gants. Ah c'est vrai que c'est un autre... Voilà, c'est du combat de chien. Ah c'est vrai. Oui, t'as raison. Écoute, moi je te propose ça. C'est comme tu le sens. Si tu le sens réfléchis. Pas, y a pas de soucis. Dans tous les cas, là, malheureusement... C'est pas deux cas, les gars. C'est hein. Un peu dommage pour toi. Ah, donc, nous, on va laisser ouais. Ça. En plus, c'est okay. Des bons à l'intérieur. Ah ouais, c'est vrai, y a la queue. Et sinon, vous pouvez pas me dire où trouver des vêtements blancs? Ok, mais ça coûtera 100 dollars. Non. 50 dollars et on t'en donne un maintenant. Ouais, vraiment, je te donne les vous... meilleurs, carrément. Je te donne les ah ouais? Oui. Non, merci. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que vous voulez m'escroquer, là, un petit peu. Si. Déjà, vous avez ouvert la conversation en me mettant un coup de poing dans la figure. Mais pas du non, tout. Non, il a une tâche.
mais il a vraiment des barres de reblon, c'est vraiment pas une blague. Vraiment, vraiment. Regarde, je regarde, allume-le, regarde, vas-y. Regarde, il va enlever son t-shirt et en dessous il a un débardeur blanc. Regarde, hop. Non, hop. T'es prêt? T'es prêt? Hop là, tu le vois? Et ça, il pas mal. Pardon, j'ai enlevé mon pour 50$. Oui, bah écoutez, je vais essayer de me trouver d'autres moyens que de moyens de paiement. 45, on n'en parle plus. 45. Ah. 10$. Salut, petit gars. Non, 20$, 20$. Ça te va, 20$? Salut. Salut. Mais qu'est-ce que vous foutez pieds nus là tous là? Ouais. Est-ce que vous voudriez pas me prêter votre t-shirt blanc s'il vous plaît? Non. Dégage de là, l'SDF. Non. Attends. Le prêter ou l'acheter? L'acheter avec quoi? Aïe. Bon, en tout cas, moi je. Voilà, bonne chance à vous tous, bonne chance. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame, je suis navré. Il y a tellement de brigands dans ces lieux que je ne souhaitais pas vous bousculer. Exactement. Il n'y a aucune politesse dans cette ville. Je suis bien d'accord. Vous êtes en tout cas très élégant et ça se voit que vous êtes une personne très polie et très bien élevée. Merci madame. Et je vous donne toute ma force. Bah écoutez, j'ai pas de vêtements blancs donc je me suis fait rejeter. Voilà. Mes petits se sont fait également rejeter, ces petits garnements. C'est ça vos petits là ? Non, ce ne sont pas mes petits. Non, ce sont des petits que j'ai croisés qui ont attiré mon attention. C'est pour que je ne voulais s'abuser. De suite à ton petit fils. C'est vos enfants? Ah non, oui. Pas du tout. Ah non, pas du tout quand même. Pas, oui. Mais c'est quoi alors pour vous? C'est vous... Ma grand-mère. Ah bon? Ma grand-mère. Il dit que vous êtes sa grand-mère. Ah ben écoutez, je n'étais pas au courant. Bon, petit, mais d'affection, je suis là effectivement. J'aime beaucoup, tu sais, m'occuper. Bah c'est bien madame de prendre soin de vos petits-enfants. Oh ben oui, c'est très gentil. Mes petits-fils sont à l'intérieur. Je pense qu'ils sont en train de s'amuser, de se trémousser. Hey, faites attention à ce monsieur. Il m'a traité de pauvre et il a essayé de me voler de l'argent. Ah non, tu m'as. Non, tu m'as. Alors les préjugés, mon pauvre monsieur. Il est venu me demander de l'argent. Bah oui, mais comment t'as pas d'argent, s'il vous plaît? Alors j'aime pas les voleurs. Je t'ai vu dans ta voiture derrière. Mais j'ai même pas de voiture. Pour un pauvre. Est-ce que c'est vrai, mon bon monsieur, que vous êtes un petit voleur? Ah non, t'es pas vrai. Je vous jure. Voleur. Voleur, loser. Qu'est-ce que ça veut dire? Loser. Loser, voilà. Dites-lui loser. Bien sûr, ça veut dire que... Voilà, loser. Loser. Oula, quelle impolitesse! Il est parti alors que j'allais lui proposer un petit travail de jardinage à la maison. J'aime beaucoup jardiner. Non merci. Je ne crois pas qu'on se connaisse, mon bon monsieur, ne me tutoyez pas. Non merci, et si vous pouvez nous vous voyez, madame aimerait être respectée, s'il vous plaît. J'aimerais être respectée. Madame, vous avez besoin d'un taxi? Non, j'ai ma voiture, monsieur, j'ai mon permis de conduire, je conduis mon bolide. Madame, pouvez me laisser quelque part, s'il vous plaît. Mais je ne suis pas chauffeur de taxi, vous avez un chauffeur de taxi devant vous, monsieur. Mais votre véhicule, il est plus beau. Vous ne savez même pas lequel c'est. Vous voulez ou pas le taxi? Non, merci. Non, merci. Jamais marché le commerce des gens, c'est pas bien. Pas de soucis. Viens. Mais quelle impolitesse, hein, c'est ce qu'on disait, hein, madame. Hein. Cet endroit est exécrable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et tous ces gens habillés en blanc, ça c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est dans commun, vraiment. Inadmissible, voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, madame. Et oui, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. C'était enchanté de faire votre connaissance. Enchanté, Narine Mucus. Oh, vous êtes monsieur? Narine Mucus. Narine comme Nick Temer. Comme... Qu'est-ce qu'il dit? Narine comme Nick Temer.
comme Nick Teber. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, bon? Je suis chasseur de cryptozoologie. Vous êtes chasseur de cryptozoologie. D'accord, ça consiste à quoi? Alors, je fais des études et je chasse les monstres, comme le Bigfoot, comme les ruines de Makal, les vagues de Neptune, les cornes des Chipuikés, les sacrés Orang Pendek, les ailes de Mothman, les Chupacabras, le ragé en suceur de sang s'attaque principalement aux chèvres par les cornes des Chipuikés, le fameux tigre à dents de sabre mesurant 4 mètres et possède les nageoires, le Skvader, la fusion parfaite de Bennu, oiseau mythique de lièvre, le Mokelembe, comparable à Nessie même, mais sur la terre ferme, le Wetorek aussi, un serpent des mers qui possède un pelage d'argent, mais bon, vous connaissez sûrement le Oran Pendek, c'est un petit homme démuni de force. Voilà, c'est. Voilà. Voilà. Mais vous avez un travail qui m'a. Oh, ça m'en laisse bouche bée, mon petit Darin. Absolument. Bah, écoutez, Suzy, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les portes des enfers qui sont en train de s'ouvrir et qui vont déferler sur cette ville bientôt, n'hésitez pas à me contacter. Qu'est-ce que vous avez venu de dire? Les portes des enfers sont ouvertes, Suzy. C'est pas possible. Si, et le Rajang est sorti, et il a tué tous mes amis. Le Rajang, le dieu des foudres, il est sorti, il est là, il est parmi nous, il est là, il est dans les campagnes. Il est dans les routes, il est sur les campagnes, il est dans votre voiture, il est partout, dans votre coffre. Où ça? Dans le coffre de votre voiture, il est partout, le Rajang arrive, il va tous nous foudroyer. Écoutez, monsieur Darin, j'espère que vous n'êtes pas en train de vous jouer de moi parce que je peux crise cardiaque, hein. Non, pas du tout, Suzy. Je vous préviens juste que vous avez très vite intérêt de rejoindre les Power Rangers et consommer du cannabis pour pouvoir vous défendre contre ce genre de monstre. Oui, oui, vous pouvez parler de cette petite poussée dans mon jardin. La petite oui-oui. Ah, vous faites pousser du cannabis? Non, de la oui-oui. C'est quoi de la oui-oui? Eh bien, vous savez, cette herbe verdâtre que l'on peut mettre en infusion, ou bien que l'on peut inhaler d'une façon un petit peu comme des cigarettes. Ah, ça ressemble beaucoup à la kryptonite que je suis en train de concevoir. Donc effectivement, j'aimerais bien voir votre plantation. Écoutez, pas des bons numéros, mon petit Darin. Je pense que c'est ni le lieu ni l'endroit pour parler de tout ça. Très bien, très bien. Fait peur. Vous voulez rejoindre les Power Rangers? Je ne sais pas en quoi ça consiste, mais si c'est pour m'écarter des portes de l'enfer, tout à fait. Absolument, bah, il faudra rejoindre les Power Rangers, hein, je vous le dis. Très bien. Alors oui, comptez-moi des vôtres. Je vais monter les Power Rangers. On va tous s'habiller comme des fils de pute. Attendez, madame. Oui. Je vais vous airdrop mon numéro de téléphone. Ça va pas être compliqué au début, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va pas être compliqué, mais regardez. Vous êtes... le numéro 338 ou 306? Ça finit par un 5. 75, bon numéro. Et là, vous avez... Oh, je dois faire quoi? Je dois cliquer sur quel bouton? Accepter. Oh, Muzarine, mais dis donc, mais c'est de la sorcellerie que vous m'avez... Absolument, alors je vous donne l'astuce. Il faut s'ajouter vous-même en contact... Et comme ça, vous pourrez le partager avec vos autres contacts. Vous savez, avant tout ça, je donnais des cours aux personnes âgées, comment s'adapter sur les systèmes informatiques. D'accord. Alors, je n'ai pas compris, je demanderai à mon petit-fils de... Donc là, vous ajoutez vous-même en contact et après, vous pouvez cliquer sur vous-même et partager le contact dans vos contacts. Ah. C'est pas Sherpix. Mais il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pouvez juste m'appeler que j'ai votre numéro aussi, bien, s'il vous plaît? Évidemment, bien. Merci. Je vous fais Ah, regardez, je vous appelle avec de la vidéo. Ah oui? Mon petit-fils m'a appris, oui, regardez. Alors, attendez. Ça va être incroyable. Vous n'allez pas en croire. Oui, n'hésitez pas à décrocher. Alors oui, j'aimerais bien décrocher. Saisis. J'aimerais bien décrocher, Suzy, mais il faut appuyer sur le bouton vert pour envoyer la communication. Ah oui. Ben alors, Darine. Réactive ton téléphone dans l'inventaire. Quoi?
Ah, il m'a désactivé mon tel depuis tout à l'heure. Allez-y. Oui, allô? Ah oui, bonjour Darine. Comment allez-vous? C'est Mamie Suzy dans le téléphone. Mais vous êtes qui, vous? Je suis Mamie Suzy, Suzy Big Bad. Mais je ne vous connais pas, je... Des Rangers Power. Ah, vous voulez faire partie des Rangers, des Space... Rangers Power, si vous... Mais c'est les Power Rangers. Power Rangers. Ouais, vous voulez être un Power Rangers? Bien évidemment, tout ce qui peut m'éloigner des portes de l'enfer. Parfait, parfait. Bah écoutez, moi c'est Narine Mucus, enchanté. Enchanté, monsieur Mucus. Eh bien, voilà, je vais vous ajouter dans un groupe et vous allez pouvoir faire partie des Power Rangers. D'accord, monsieur Darin Mucus, je vous remercie. Merci, Suzy. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, Suzy, je raccroche. Je ne sais pas, raccrochez la première. Oui, je raccroche. Vous raccrochez ou je raccroche? Vous raccrochez, Darin. Alors, je vous laisse raccrocher parce que c'est impoli, madame. Très bien. Alors, j'appuie sur le bouton. Voilà. Oh, vous n'avez pas appuyé sur le bouton là, Suzy. Ah, j'ai appuyé sur le bouton. Il faut raccrocher le téléphone. comment je l'ajoute maintenant? Je ne m'entends plus. Je ne m'entends plus réfléchir. Comment je l'ajoute maintenant, les gars? Je peux pas? Ok, les gars, 50-675, ok? Putain, depuis tout à l'heure, mon téléphone il marche pas en fait, les gars. Bonjour, bonjour, j'aimerais parler au patron, s'il vous plaît. Deuxième fois, hein. Voilà. Eh bien, je vais attendre. Attendez bien, bonne attente à vous. Oula, wow. Vraiment, on pouvait. Ah, monsieur Ford, ça s'est bien passé? Bah écoutez, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Ouais, allez-y, je vous en prie. Faites attention à vous. Bah, check ton compte en banque. Bah, c'est vrai que j'ai pas un... Attends. Regarde la caisse, hein. Ouais. Équipe Hammer. Mais... On va demander au pire. Soir, oui, il m'envoie ça. Soir. Pas de voiturier. Y a pas de voiturier. Allez, tranquille. Kryptonite. Il est indisponible. Eh ben, c'est combien? Ça commence à combien l'étape là? Je fais check mon compte en banque. C'est où? C'est où les banques, les gars? Oh putain, c'est trop loin. Où c'est qu'il y a une banque, les gars? Check le compte sur le tel. Il n'y a pas de banque. Ah si, banque. Oh! J'ai 100 000 balles, les gars. Excusez-moi, vous savez où on achète une voiture, s'il vous plaît? Macron s'appelle Monsieur Morin. Monsieur Morin? Monsieur Morin, ouais. Ouais, oui, monsieur, allez-y. Attends. Les gars, j'habite où? J'habite où? Quelqu'un sait où j'habite? Passez une bonne soirée, messieurs. Quelqu'un sait où j'habite, les gars? Écoute, tu cherches quoi, toi? Le patron, depuis tout à l'heure. Chef? Chef? Ah, chef, c'est moi, chef? Où c'est qu'on achète une voiture, s'il vous plaît? Au concessionnaire.
Oh, bah, excusez-moi monsieur, si vous voulez, je me présente, je suis Mario Davis, j'ai une boîte de location de véhicules si vous avez besoin. Oh. Bonjour, enchanté, pouvez-vous m'emmener dans vos locaux? Merci. Comment ça? Bonjour, pouvez-vous m'emmener dans vos locaux VIP? Merci. Les locaux VIP de quoi? De je veux des locaux VIP Executive Business Class. Ah, tu crois? Ouais, venez. Merci. 500 toi? Moi aussi. Mais toi t'as un baiser toi. Moi, tiens! C'est un sacré style vestimentaire, mon petit monsieur. Ça se voit, vous n'avez plus rien à foutre de la vie. Vous parlez de moi? Vous êtes blindé? Non, oui, ouais, je disais. Franchement, style incroyable. Ah oui, ouais, j'ai un style. C'est ma maman Delphine qui gère mon style. Ah ouais. Et elle dit que je suis une top modèle. 5$ la pomme? Allez-y, monsieur. Ouais, je prendrai une pomme, Une bonne pomme, ça vous. Voilà. 5 fruits et légumes par jour, en forme toujours, comme on dit. Allez-y, c'est pour moi cueilli ce matin. Allez-y, $5, allez-y. Voilà, $5. Merci, allez, servez-vous, voilà, monsieur. Vous. C'est pour moi. Hop là, merci, servez-vous. Bien. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée à vous. Mais à vous aussi. Oui. Qui sont les autres? Alors, vos locaux VIP de location de véhicules, c'est ça? Ils sont où? Ils sont vers Davis, entre la 3ème et la 5ème. Très bien, très bien. Paf. Ils sont dans des... Ils ont pas l'air très classe, vos locaux. Comment ça? Alors là, c'est juste un parking où je vais récupérer mon véhicule. Ah! Du coup, mon petit monsieur, vous serez plutôt... alors, laissez-moi deux petites secondes, je récupère mon véhicule. Bonjour devant. Oh, très joli petit véhicule. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être assez pourri. Je chercherais quelque chose de beaucoup plus haut de gamme. Ah, très bien, dites-moi, quelle est votre attente? Dites-moi. Est-ce que vous avez une Tesla? Tesla, bien sûr, je peux vous fournir ça. Et combien ce serait par mois ça? On fait que des locations à la semaine ou aux 3 jours. D'accord. Sachant que donc là, la Tesla, ça serait pour. C'est $1000 la semaine. D'accord, je vais en prendre une, s'il vous plaît. Ok, très bien. Est-ce que vous avez une couleur spécifique au niveau du véhicule? Rose, s'il vous plaît. Tesla rose, attendez, j'ai... Et c'est grave si j'ai pas le permis? C'est pas mon problème, ça me connaît, monsieur. Dans tous les cas, vous faites avec la voiture, moi je vais la chercher au commissariat et j'ai tout pour rien. Ah, très bien. Moi j'ai mon argent, vous avez la voiture, on s'arrête là. Parfait. Votre vie, d'histoire de j'ai pas de permis, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de parents, je m'en fous. Très bien, très bien. Alors attendez. Ceci, je vais envoyer un petit message. Excusez-moi. Et vous faites pas de l'achat? J'aimerais acheter une voiture. Non, on n'est plus uniquement dans la location, à la semaine. Et c'est mon anniversaire aujourd'hui, vous me faites une réduction? Non. Mais c'est mon anniversaire. Bon coup. Attendez, je vais pisser, je reviens. Allez-y. Showcase d'un duo d'artistes maintenant aux Bahamas. Vas-y, ça casse les couilles, je sais pas me mettre en blanc là. Attends, déjà, je vais vraiment pisser. Attends, je vais vraiment pisser, les gars.
Vous voulez maintenant fracas gratuitement? N'oubliez pas de la rendre. Ah, il faut que je la rende. Et si je la rends pas, il se passe quoi? Ouais les gars, les 2000 balles pour le blanc, j'étais dans une boutique de riches les gars. Il faut que j'aille dans une boutique de Claude les gars pour m'habiller en blanc. Mais il doit y en avoir une à côté du truc hein, quand même, non? T'es mal Clodo. Vêtements à côté quoi? Ah il y a... Ok, je l'ai vu. Derrière? Mais c'est la même boutique les gars. Les gars, qu'est-ce que vous me faites chier, putain? Je sais où je vais, les gars. J'ai 100 000 balles, les gars. Je suis là, regardez. Mais déjà les gars, il faut que je vois un petit peu mon appart et tout, la gueule de mon appart et tout. Mais croyez-moi les gars, ça va partir plus vite que ça en a l'air. Hein. Putain, c'est de l'autre côté. Attends, mais c'est la même boutique de riche que tout à l'heure, non? Non? Quel geek. Alors. Allez hop. 15 euros. Allez hop. 15 euros. Mais. Je les ai là du coup? Les gars, je les ai? Comment j'équipe? Le gars a fait zéro effort. Zéro effort, mec. Oh là là. Oh là 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 là, putain. Ça c'est les méga riches de jour. Les gars, attendez. Laissez-moi sociabiliser, monter les Power Rangers. On va monter les Power Rangers, les gars. Ah ouais, là c'est mon objectif numéro 1, les gars. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais accéder au carré VIP, je suis riche. Vous êtes riche? Oui. D'accord.
D'accord. Vous voyez à ma droite les affiches, l'affiche. Oui. Plutôt qu'à les VIP, il faut acheter soit un bourbon, soit un champagne. Essayez de le calmer, vous le dites. Ok, merci. Eh patron, patron. Patron, je suis derrière vous. Bonjour, vous vouliez me parler tout à l'heure. Si, si, c'est moi, Narine Mucus, le gagnant de survivant. J'ai gagné. J'ai gagné l'émission Survivor. C'est ça, c'est ça. Et je suis en train de monter les Power Rangers. Et du coup, notre objectif, c'est de distribuer un maximum de cannabis et pour vaincre les monstres cryptiques. Je cherche, bah justement, je cherche à ouvrir ce business et de monter les Power Rangers. On va vaincre la, avec la weed les Power Rangers. Oui, c'est comme la kryptonite. Les monstres cryptiques n'aiment pas la, n'aiment pas le cannabis. Ça va bien dans ta tête, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a tonton Yengel? Tonton Yengel? Ouais, ça va très très bien, justement, je cherche des collaborateurs. Il m'a dit, il veut battre les Power Rangers. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux, je monte les Power Rangers. Pour battre le Rajang. Le Rajang a décimé tous mes amis. Ah ben, ce qu'il raconte, toi, je vais te le monstre cryptique. L'armée, il a disparu. Je crois que mes neveux vont s'occuper de trouver les Rajang de merde. Et vous avez pas du travail sinon, parce que je cherche du travail. Ouais, mais viens. Ils vont te donner du travail. Ah, très bien, j'adore le travail. Merci. Donnez-moi du travail. Bonjour monsieur, moi c'est Narine Mucus. C'est... Moi c'est Canelo, venez, je vais vous montrer. Canelo? Canelo? Enchanté Canelo. Ah, enchanté. Vous voulez être un Power Rangers? Ouais, c'est ça, putain, je sais. Et vous c'est comment? Ah! Oh! Et c'est ça, c'est un entraînement des Power Rangers? Vous serez un sacré bon Power Rangers. Vous serez un sacré bon Power Rangers, monsieur Canelo. Vas-y Canelo, dites-le. Parce que lui, il n'entend rien, ce chien, il n'entend rien du tout. Canelo, vous serez un très très bon Power Rangers. Il n'entend rien, lui. C'est Canelo, c'est personne d'autre. Allez, barrez-vous là. Mais vous m'avez fait mal au nez, là. Ça va, monsieur? Qui a fait mal au nez à qui? Là, Canelo, il s'est entraîné à devenir un Power Ranger sur moi. Là, il va falloir qu'elle ait l'opposition de... Il m'a frappé très fort. Bon, d'accord, oula, si je... Pas sortir de la boîte. Bah, je... Désolé, madame. Il vous a frappé dans le nez? Vous avez frappé au visage? Il vous a frappé où? Non, il m'a frappé plusieurs fois ici. Où ça, ici? Là, je lui ai proposé de devenir un Power Rangers. Ça sert à rien de frapper les gens, voyons. Excuse-moi, mais c'est qui le gros derrière? Je connais pas son prénom, mais j'essaie de... Sous demande de son cousin, j'essaie de l'aider à avoir confiance en lui. D'accord. Je connais pas son prénom, tu connais ou pas? Mets-toi à toi. Ton prénom à toi. Ah, je crois qu'il vous demande votre prénom, mademoiselle. Mon prénom? Sienna Owens, avocate. Enchanté. Eh bien, si vous pouvez me défendre, et je serai un très bon client, parce que monsieur Canelo ici s'est entraîné sur moi pour devenir un Power Rangers, en me frappant fort sur le nez. Fort sur le nez? Après, je ne pense pas que ce soit réellement, madame, le motif d'une plainte. À la limite, vous pouvez vous plaindre au patron pour qu'il... Alors, quelque chose, mais là, je ne sais pas si je pourrais... C'est qui le patron? C'est le monsieur en peignoir que vous venez de voir passer à travers la porte. Et c'est qui le gros qui passe à peine dans la porte, là? Monsieur, vous avez... Monsieur, c'est impossible d'attendre juste je connais pas son prénom, je suis désolé, vous pouvez vaquer, les gars. Très bien, on va vaquer, merci beaucoup en tout cas. Et monsieur Canelo, j'aimerais bien avoir votre numéro de téléphone. Non. Vous voulez pas être un Power Rangers? Non, ça va. Je suis Félix, j'appelle monsieur. Mais j'entends plus déjà. Mais je suis pas Félix, moi. Vous êtes le monsieur que j'ai croisé tantôt en vélo. Elle attend depuis une demi-heure, là. C'est pas le boulot, mon boy. Ah, mais je vous ai à peine reconnu. Alors, moi, c'est Narine Mucus. Je pense pas
on peut rentrer à pied. Ouais, Marine. Bon, je crois qu'on s'est jamais vu, monsieur. Vous êtes ? Je crois que je vais oublier une grosse tête comme la tienne. Alors, c'est une petite tête, hein, d'après... T'es monté dans ma Ferrari, t'as mis ton odeur corporelle. Non, pas du tout. Ce monsieur m'agresse, monsieur. Il m'agresse. Ouais, oui. Agressé ou pas ? Je me sens très agressé. Je vous ai chopé en flag, vous dégagez. Hey, Gucci. Qui ? Tu m'entends ? J'agresse, là, monsieur avec la touffe. Le faux bandeau Gucci. Excusez-moi. Merci, monsieur, vous êtes si bon. Tu veux me faire décaler alors que c'est ton patron qui m'a invité ici pour prendre des photos. C'est pas possible. Ce monsieur m'a agressé. J'adore votre coupe de cheveux, monsieur. Hitman. Comment ça, Hitman ? Ton gros crâne chauve. Tu t'agresses les gens et tu manques de respect ? C'est personne chauve. Tu sais que si je te mets un coup, tu tombes. Ouais, ouais, je sais parce que t'es un mec super stock et t'es bien galbé. Merci, je sais très bien que tu m'en mets une salle. Mais. Il vient de me dire que. Je crois qu'il a dit que vous ressemblez à monsieur propre. Oui. Il m'a dit ça quand j'étais dans la Ferrari tout à l'heure. Il y a une bagarre générale. Il y a une bagarre de fou malade à l'entrée. Oh, bah, vous appelez la police, il y a mes collègues. Il y a 150 dollars. Non, je parlais juste avec l'individu qui a proposé des services. Qui a voulu utiliser mes services de location de véhicules et qui est parti en courant comme un gros broki que t'es. Ah, je suis pas un broki. Monsieur propre, monsieur, vous allez vous excuser tout de suite. Ça soit sincère. Voilà. Voilà. Excusez-vous. Kevin, sincèrement. Un t-shirt. C'est qui ce mec là ? Oui, allez-y, vous attendez. Ok. Oh ! Oh ! Insolence ! Insolence ! Insolence ! Les photographes, on a envie. Hein. Pardon ? Pardon, monsieur ? Oui, dis-moi, je suis au téléphone. Non, mais je regardais votre physionomie. Voilà, je regardais la forme de votre tête. Ok, mais du coup, tu peux y aller, s'il te plaît, frérot, je suis au téléphone. Et j'ai trouvé que votre tête n'était pas dans la normalité. Voilà, okay. si vous voulez savoir. Je m'en fous. Bonjour monsieur, j'adore votre coupe de cheveux. Oui, j'adore votre coupe de cheveux. Ça va ? C'est très gentil. Attendez, il y a une photo à appeler. Oui. Non, on n'a pas tout à fait la même. Ah ouais ? Bah écoutez, sucré soyeux. Merci, vous aussi. Merci, vous aussi. Ça c'est Perse, ça vient de Perse, vous savez. Ah oui ? Ouais, regardez, c'est soyeux, sans trucage. Ouais, effectivement, et c'est pas le buzz cut qui est différent là. Hein ? C'est pas sa coupe de merde à lui là. À moi ? Ouais. Là quoi ma coupe ? Bah elle est atypique. Ouais, tu t'es pris pour un footballeur ou quoi là ? Hein ? David Beckham. Et toc. Et toc. Vous êtes très drôle. Moi c'est narine mucus, narine comme Nick Temer. Waouh. Pardon ? Et vous appelez comment ? Moi je m'appelle Amir Ashrafi, monsieur. Enchanté, enchanté. Et David Beckham, comment il s'appelle là ? Aucune idée, je connais pas. Et Ronaldo là ? Et Youri Djorkaeff ? Ah bon, on avait des refs, hein. Et Didier Deschamps ! Ouais, c'est bon. Didier Deschamps. Ouais. Et Dugarry ! Michael Jackson. Ah, mais c'est pas drôle. Non, bah vraiment celle-là. Ouais, t'inquiète, c'est cool, non. Trop, ils sont sortis les autres. Vous appelez comment ? Vous avez dit Narine ? Je suis Michael Jackson. Lourd. Entre vous deux, il y a aucune synergie. Hein. Non, c'est parce que c'est mon meilleur ami. Vous appelez comment du coup David Beckham là ? Moi je m'appelle Kane. Kane, et vous faites quoi dans la vie ? Kane. J'ai tout au chômage quoi. Ouais, voilà. Et vous, monsieur Ashraf ? Je suis Ashrafi, monsieur. Ashrafi, pardon.
suis à la recherche active d'un emploi et je suis sur pas mal de pistes déjà. Comme quoi ? Mon rêve, c'est de devenir le plus grand barman de la ville. Le plus grand. Et je vous assure que j'ai le meilleur. Voilà, regardez. Un peu modeste. Hein. Ah, vous savez, j'ai pris de passion pour le métier de barman et... C'est très bien, bah je vous le souhaite, hein. y a pas de limite aux ambitions. Exactement, monsieur. Et vous, monsieur Narine, parlez-nous un peu de vous. Moi, j'ai gagné le Survivor. Ah, j'en ai entendu parler. J'ai gagné le Survivor. Oui. Ah, oui, et il faut faire attention parce que on a ouvert les portes des enfers et du coup, les rejetons des enfers sont sortis, ils ont commencé à tuer tout le monde. Ah, j'en ai entendu parler de vos théories, etc. Alors, c'est pas une théorie, je l'ai vu avec mes propres yeux, mais malheureusement, je suis le seul témoin. Ah oui, c'est passé quoi du coup? Le Rajang, le dieu de la foudre, est sorti, il a écrasé et tué tout le monde. Et vous êtes le seul survivant? Avec le pilote d'hélicoptère. Bah, vous en avez de la chance. Vous avez quelque chose à boire? Non, merci. Enfin, merci, mademoiselle. Non, merci, ça ira, madame, c'est très aimable. D'accord. Allez, monsieur, monsieur, c'est vous que j'ai croisé tantôt à vélo? Non, lui qui était au téléphone, là, il s'est fait arnaquer ou je sais pas trop. Là. Ah, c'est moi, oui, effectivement. Oui. Je ne vous ai pas reconnu, désolé. Ah, il n'y a pas de problème. Vous travaillez ici, madame? Oui. Eh bien, du coup, je vais vous prendre un bourbon, alors, s'il vous plaît. Un bourbon, parfait. Oui, s'il vous plaît. Vous savez que ça vous donne accès à la salle VIP en haut? Ah, bah très bien, je m'y hâte alors. Et je vais laisser cette plèbe derrière moi. On est aussi en haut. Pardon, je ne vais effectivement pas... Vous n'avez pas quelque chose de moins cher? Après, on... Je peux vous emmener en haut, s'il vous plaît. Mais j'ai des... $1,500. Des bières, des triples bières, des bières... Ouais, ouais, oui. Ok. Et vous avez de l'eau dans un petit gobelet, s'il vous plaît? Ah, merde. Attendez. Ouais, dis-moi. Ah, merci beaucoup. Merci. Tu vas te recruter? Oh, ça fait plaisir, hein, je suis désolé. Monsieur Narine? Oui. Bah, je pense pas qu'il... Ah, merci. Et j'ai emporté ce burger dans ma poche également. Voilà. Ben, en vrai, si pour avoir des barman, oui, hein, je crois que ça fera pas tant. Tantôt, il y avait vraiment énormément beaucoup de gens. Non, mais il parlait de Monsieur Narine. Est-ce que Monsieur Narine veut recruter des barman? Je ne pense pas. Ah, Monsieur Narine, il s'occupe pas des barman? Ah, non, je ne travaille pas ici. Hein. Vous vous appelez Narine? Attends, vous vous appelez Narine? Narine comme Nick Temer. Ah. Attends, tu peux nous dire votre prénom, s'il vous plaît, madame la serveuse? Je veux quoi? Votre nom, s'il vous plaît. Moi, je suis Paul Anonyme. Non, pas Paul, voilà. Paul Anonyme, pardon. Elle s'appelle Paul Anonyme. Moi, je suis Paul Anonyme. Bonsoir. 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 Mais du coup, monsieur Narine, vous avez pas fini. Vous avez été Survivor. Et du coup, je suis en train de monter une équipe de forces spéciales. Et on s'appelle les Power Rangers. Et il faut qu'on distribue un maximum de cannabis à tout le monde pour qu'on combatte parce que les monstres cryptiques. Vous êtes quelle couleur, vous? Les monstres cryptiques. Mais lui, il est complètement... Moi, je suis rouge. C'est vrai. Est-ce que vous avez besoin d'un barman dans votre équipe ou... Non. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Non, je suis un peu contre l'alcool. Contre l'alcool, mais pour le cannabis? Ah, ben c'est très gentil. Absolument, parce que le cannabis est contre les effets des monstres cryptiques. Mais si vous êtes le seul survivant? Qui... Est-ce que vous avez des preuves? Non, malheureusement, c'est ça le problème. Ah, un flyer! Moi, je le crois pas. Vous ne me croyez pas? Est-ce que vous avez eu des retours des autres survivants? Dites ça aux 120, aux 120 personnes qui sont mortes. Écrabouillées. Ça, exactement, j'ai pas entendu parler des autres survivants. Ils sont jamais sortis. Faites vos recherches. Bah, je vous laisse le bénéfice du doute, monsieur Larry. Merci. Ben oui, mais vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, attention. Le Rajang, quand il arrivera chez vous, et croyez-moi, il est partout, il est dans les campagnes, il est dans la rue, il est dans le coffre de votre voiture, il est partout. Et croyez-moi, quand il va sortir, croyez-moi, vous allez regretter de ne pas m'avoir cru et de ne pas avoir mangé un maximum de cannabis. Oh là là, je ne vais pas rester. Pas de soucis. Mais si je le prends un peu quand même. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas, il a l'air sûr de lui. Mangez du cannabis, mangez beaucoup de cannabis, c'est bon. Mangez, vous pouvez pas. Bah ça se mange, non? Pas le... Bah écoutez, je cherche des Power Rangers. Ouais, c'est ça. Non, moi je suis un barman. C'est pas la oui, chose. Mais c'est ton camouflage, ça. Vu, c'est quoi un flyer? Oui.
Ah, c'est son camouflage. Oui, mais faut pas le dire très haut. Faut chuchoter. Bah, à la limite, si vous voulez, monsieur Narine, je peux vous passer mes contacts. Et si vous avez besoin d'un barman ou d'un Power Rangers, si jamais vous êtes vraiment... Effectivement, effectivement. Enfin, allez-y. Mais en fait, quand vraiment, dernier recours, quoi. Quand il dit barman, il dit Power Rangers. Ah. Attendez. Votre numéro se finit par quoi, monsieur? 61 400. Oula, je vous vois pas. Bah, attendez, je vous envoie un message. Ah, y a pas de plus. Ah, comment ça, il me regarde dans les pages jaunes? Vous avez dit 555, 61 400? Oui, absolument. C'était 1500 balles le bonbon, les gars. Je vais monter une équipe de super-héros. Ouais. Absolument, merci. Non, merci, ça ira, merci, pardon. Excusez-moi. Vous voulez un peu de champagne, peut-être? Ah oui, oui, un peu de champagne, oui, oui, champagne, oui. C'est gratuit, hein. T'as un mire? Non, j'en ai déjà un. Oh merci, c'est très gentil. Ça va, tu vas bien? Vous encaissez bien l'alcool, monsieur Narine? Alors, monsieur le barman, c'est l'inverse. Si vous souhaitez rejoindre un jour une mission, vous m'envoyez Kryptonite. C'est très secret. Hein. Amir? Ouais, dis-moi. Il vient de t'appeler le barman, le monsieur. Amir, là. T'es barman, non, parce que je lui ai dit que j'aspirais à être barman. Non, mais c'est autre. C'est j'aspirais à être barman. Parce que, attention, c'est nous les barman. Oui, il est en train de dire qu'il est des meilleurs barman que vous. Non, mais il a dit qu'il est des meilleurs barman que moi. Absolument, il est en train de dire qu'il était le meilleur barman de la ville. Exactement. Déjà, faut passer les candidatures, déjà. Ça va pas être simple pour vous. J'ai posé les CV, monsieur. Le fouteur de merde. Bon, sur ce, messieurs, bonne soirée. Bonsoir. Et du coup, vous travaillez tous ici? Non, seulement moi. D'accord, pardon. Mes collègues, messieurs, j'avais une collègue. Enchanté, moi je suis Narine Mucus et gagné le survivant. Oh. Oui, Survivor, vous regardez pas la télé? C'est quoi? Non, pas vraiment. Non, mais c'est fou quand même. C'est quoi? C'est une émission, mais si je dis l'émission principale, on risque tous un procès. Ah, gardez le nom pour vous, monsieur. Voilà. J'imagine qu'il faut survivre. Absolument, il faut survivre sur une île déserte. Mais du coup, sont où les autres? Ils sont tous morts, tués par le Rajang, le dieu des enfers. Bah du coup, le principe de survivant porte bien son nom. Absolument, mais vu qu'on a malencontreusement ouvert la porte des enfers, voilà, c'est compliqué. C'était vraiment une licence télé ou c'était sur un truc satanique? Ah, c'était une licence sur la télé, mais voilà, c'est compliqué. Voilà, donc je recrute des Power Rangers pour combattre ces monstres cryptiques qui sont partout. Le Rajang va pas tarder à nous attaquer. Donc je recrute des Power Rangers. Donc si vous voulez être un Power Rangers, n'hésitez pas. Les candidatures sont ouvertes. Monsieur Mucus, c'est ça? Absolument, Narine Mucus, oui. Mais pas de crack? Je regarde les yeux à vous. Oui. Est-ce que vous croyez à la sorcellerie? La sorcellerie, non. Mais je crois en ce qui est réel, c'est-à-dire les enfers et tout ce qui se passe réellement dans ce monde. Et croyez-moi, si vous ne me croyez pas, bah, vous faites erreur. Est-ce que vous avez consommé des drogues? Bien sûr, il est très important de consommer du cannabis. Il est très important de consommer ce... C'est leur kryptonite. Pour les monstres. À l'hôpital, ils m'ont donné un truc, c'était vraiment très fort. Ah oui? Ah oui,
Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis il m'a chuchoté qu'il y avait de vas-y, la drogue. Vas-y, vas-y, caresse, s'il te plaît, merci. Oh. Ah, c'est intéressant, on pourrait se fournir. J'ai été comme un cobaye, là, il m'a soigné, puis il m'a donné ça, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'était plutôt fort. D'accord. Et est-ce que vous pensez que vous pourrez en avoir un petit peu plus de ce genre de produit? Je sais pas, hein. Faudrait que je retourne à l'hôpital, puis que je dise que j'ai encore mal. Ça m'a coûté 100 balles pour me faire soigner, puis il m'a donné ça. Oh, intéressant. Il m'a mis directement dans la bouche avec ses gros doigts. Intéressant, et intéressant. Tu as dit que c'était expérimental ou simplement oui. Qu'il... Okay. Je recrute les Power Rangers. Imaginez, on est là en train de faire des trucs de karaté devant, avec des pancartes. Et en mode genre, les monstres cryptiques. Tu sais, on consomme tous un max de drogue et on commence à se battre dans la rue contre le vide. c'est ça mon objectif, les gars. Monsieur Narine. Oui. Vous êtes prêt à mettre combien pour du cannabis? Pourquoi vous avez une affaire là-dedans? Non, mais je suis curieux. Alors, je sais pas, mais en tout cas, il paraît que c'est la kryptonite des monstres. Un certain Tony m'a dit que c'était leur point faible. Et vu qu'on est pas on va pas tarder à se faire envahir par les esprits du Rajang. Du coup, vous êtes prêt à mettre beaucoup d'argent, non? Il faudrait effectivement qu'on trouve des investisseurs également, mais oui, je pourrais investir. Voilà. Des monstres, ça me paraît un peu... Mais j'ai l'impression, moi, c'est juste l'effet de votre drogue, en fait. Non, je vous assure, dites ça aux 130 morts qui sont morts devant mes yeux. 130 ? 130 personnes se sont fait manger et foudroyer devant mes yeux. 130, ça fait beaucoup, quand même. Mais c'était quoi cette émission de fou ? Il y avait donc des gens ? On a ouvert la porte des enfers et le Rajang est sorti, il a foudroyé tout le monde. Et malheureusement, je suis le seul témoin. Mais non, mais on n'a pas pu. J'ai fui en hélicoptère parce que j'ai gagné. Du coup, est-ce que vous savez vous battre? C'est farfelu. Moi, peut-être un peu, je sais pas. J'ai jamais tapé. Vous voulez être le Power Rangers bleu? Oui. Eh bien, bravo, donnez-moi vos contacts. Vous serez le Power Rangers bleu. Let's go. Je suis Power Ranger maintenant. Alors. C'est sûr que l'anonyme. Oui. C'est sûr de toi. Quoi? T'es sûr de vouloir être une Power Rangers? Mais c'est cool les Power Rangers. Oui, c'est quoi votre numéro, monsieur? C'est 61-400. Et vous? Combien? 61-400. Ah non, mais non, je veux dire, parce que je vois des numéros 240. C'est 555-61-400. 65-400, d'accord. Tiens, t'en recrutes. Ah, je pense qu'elle parle de ton numéro d'identification. Quand t'as fait ton... Ah, 347, pardon, 347. Mais 555. 61, 400. Et sinon, mon numéro fiscal, c'est 347. Tu as fait ton recensement, oui. Non, il n'y a pas de problème. Je les note à la main. Fait que 61, 400, c'est monsieur Narine Mucus, vous m'avez dit. Exactement, Narine comme Nick Temer. comme Nick Temer, le cycle Nick Temeral biologique. Je connais pas. Monsieur Narine, je vais prendre votre contact. Également, oui. Alors, Paula, dites-moi votre numéro, s'il vous plaît. Je vais devenir tous des oui, Power Rangers. Oui, je vais vous l'envoyer par AirDrop. Investisseur. Investisseur dans le cannabis, oui. Donnez-moi juste les chiffres, j'ai déjà tout préparé. Pas du tout. Ah, bon, ouais. J'ai beaucoup plus facile quand même. 11 869. Moi, c'est Lilia. Du coup, vous m'appelez quand vous voulez que je sois un Power Ranger rouge. Exactement. Quand on va... c'est comme un peu les Avengers, vous voyez. On va se regrouper et on va devoir faire des missions. Waouh, trop stylé. J'ai hâte de voir. Imaginez-vous. Je mange la weed. Ah oui, allez-y. Je vous ai partagé... Appelez-moi quand vous voulez la réunion des Avengers. Absolument, merci, Paula. Et bienvenue dans les Power Rangers.